Hello mesdames, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je vous propose 5 minutes de détox. On va brûler un maximum de calories. Vous avez besoin d'une paire de baskets, d'un petit espace à la maison où vous pouvez bouger sans vous cogner dans les meubles. Vous mettez un petit fond musical et let's go, c'est parti. Alors, on va bouger tranquillement des petits mouvements, droite-gauche, des petits rebonds. Donc les chaussures bien attachées, le soutien-gorge, hop, bien remonté. Allez mesdames, on y va, on lève un petit peu les genoux, ok? Si c'est trop compliqué aujourd'hui, il n'y a pas de souci, on reste en mouvement, on lève un petit peu les genoux sur place. Chacun son niveau. Allez, go! On lève les genoux, bougez un petit peu vos bras, ne restez pas comme ça figé en Playmobil. Bougez vos bras. Allez, encore. Des genoux, des genoux, des genoux, des genoux. Très bien. Et on reprend des rebonds. Hop. Et regarde le mouvement. Jambes serrées à droite, à gauche. Alors, je fais un petit peu le récapitulatif de tous les sports que vous connaissez. À quoi ça vous fait penser, ça? Au... Enfin, c'est bizarre, hein. Au ski. Planter de bâton comme ça à droite, gauche. Ok, encore. Hop. On bouge, on bouge, on bouge. Et ici, hop. Petit ciseau. Je bouge mes bras, je bouge mes bras. Ok, on double. Deux, deux. Après le ski, on est toujours à la montagne. Hop. Je prépare quoi là? Je prépare la descente en surf. Hop. Allez, on plie. On plie. On travaille les cuisses et le cœur. C'est good? Je reviens. Rebond. Ouh. Je vous vois un petit peu, hein. Ta langue, elle commence à sortir un petit peu de ta bouche. Reste en mouvement. Allez, encore. 4, 3, 2. La même chose. Regarde, ma jambe droite, elle est devant. Et là, on va mimer la boxe. Tu vas mettre tes mains en l'air. Et tu vas tourner les poings très fort. Tu vas voir, tu vas autant travailler sur le haut du corps que sur les jambes, le cardio. Ça, c'est bon, c'est pour faire la mayonnaise. Allez, encore, bougez. Bougez vos bras. Levez les bras, levez les bras. On change. Hop, jambe gauche devant. Regardez-moi. Allez, devant, derrière, devant, derrière. Les bras, top, on bouge. Allez, go. Dépensez-vous. Allez, reste en mouvement. Ne ralentis pas tes bras. Reste en cadence. Allez, encore, ça fait mal aux épaules. C'est normal, encore. Allez, ouh. Ici, on fait un pas, reste, un pas, reste, un pas, regarde mes bras. Qu'est-ce qu'on va faire? Jade et Serge, tu connais? On lève les bras, on touche le ciel, on fait du volleyball. Allez, encore. Go. Allez, bouge, droite, gauche, 4. 3, 2, dernier, stop, rebond, on ne s'arrête pas, jamais, encore, on reste ensemble, regarde mes jambes, je lève mes genoux, encore des genoux, et là on va accélérer, et dans tes jambes tu tapes, du tipping, oh mon Dieu, regarde mes bras, devant, et en version énervée, beaucoup plus énervée, mets-toi en colère, allez, mets-toi en colère, ah! Je veux perdre tous ces kilos. Ah. Allez, on relâche. Petit bounce. Et on reprend tranquillement des step touch. Alors, mesdames, est-ce que le cœur l'a grimpé comme ça en flèche? Ici, regarde le mouvement. Qu'est-ce que je fais? Bon, tu bouges tes bras, tu bouges tes jambes. C'est du patinage. Allez, je saute. Je saute, ou un peu de bowling, tu vois un peu, hop. Je t'ai dit, on fait un petit peu tous les sports. À la maison, en 5 minutes, du bowling, du volley, de la boxe, tout ça. Avec juste tes baskets, une petite place à la maison, toi et moi, saute plus haut. Dernier, et step touch. Très bien, superbe. Relâche un peu le haut du corps. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait du bien? Je sais que ça fait du bien. Au départ, ça fait mal. Mais après ça,
qu'est-ce que tu es contente et fière de toi. Relâchez vos bras. Relâchez la tête. Si tu es soufflé, là, c'est normal. Hein. Tu vois, moi-même, j'ai besoin d'un peu de temps pour parler normalement. Je me grandis, je me redresse. Remettez votre chevelure, serrez les jambes. Inspirez, grandissez-vous, levez la tête, regardez le ciel. Ah, relâchez, soufflez. Encore une fois, on termine le cours. Encore une fois, on termine la séquence, on relâche. On enroule les épaules, on se fait un check. Bravo, c'était super. Voilà, une petite routine de 5 minutes. Ça vous prend 5 minutes de votre vie. Ok, c'est pas grand-chose. Donc, je vous laisse vous planifier 5 minutes dans votre journée. Vous pouvez tout à fait trouver 5 minutes, je vous fais confiance. N'hésitez pas à la reproduire eh bien, le plus souvent possible, à la partager à votre entourage. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne d'Optimaman. À bientôt !